Bonjour les Minecraftiens, ici c'est B35, le codeur. Donc on se retrouve sur Minecraft, M-I-N-E-C-R-A-F-T, bah voilà quoi, Minecraft. Et regardez bien cette petite partie là. On joue dans une version pas toute récente, 1.4.6, histoire de compatibilité entre les 15 mods que j'ai mis. On va s'amuser un petit peu avec des mods en hardcore, sur une nouvelle série que j'ai nommée Hardcode. Un mélange de code pour les mods et de hardcore. Hardcode quoi. Bref. Voilà, donc très subtil comme nom. On va se retrouver sur la save. On va essayer de survivre le plus longtemps possible en votre compagnie. Et on va essayer de résoudre des objectifs fous comme mélange de défi Minecraft et du délire de CLB. Voilà, beaucoup de choses à la fois pour cette série. On va d'abord vous montrer les mods que j'ai mis. Coder Pack. On en a rien à fiche. Forge mode loader non plus, Minecraft Forge encore moins. YLP non plus, LAPI donc il y a les habits. Donc Tropicraft est un mode qui va changer dans les générations, qui va rajouter des arbres, des trucs comme ça, sans trop en rajouter, donc ça va être sympa aussi. Weeping Angels, donc ça c'est bien parce que j'ai décidé de ne pas survivre trop longtemps. Si vous connaissez le Docteur Who, c'est les anges pleureurs, les anges qui vont vous... que c'est de la pierre, vous les regardez, ils vous dérangent pas. Vous vous retournez, ils vont commencer à vous attaquer. D'accord, ils sont pas trop violents, ça va, mais le problème c'est qu'il faut minimum une pioche en fer pour les tuer, et vous êtes obligé de le tuer avec une pioche en fer ou en diamant. Youpi! Donc j'ai mis Raimi Map aussi, parce que voilà, hein, on peut tout se permettre. J'ai mis Timber, hein. Timber qui permet de couper les arbres instantanément avec une hache. Balcon Weapon qui rajoute diverses armes. Qu'est-ce qu'on est de render? Je sais pas, ça doit être un renderer. Ça doit être un api. Wither and Tornadoes, comme ça, si une tornade nous surprend, faudra pas s'étonner. Et je garde le meilleur pour la fin. Mo Creatures, le mode qui va complètement changer le gameplay. C'est un mode qui rajoute plein de bestioles. Qui est créé par Dr. Sharks. Belle tête, hein. Ah, what the... C'est drôle, ça. Yeah. Voilà, donc maintenant on va se retrouver sur la save pour commencer cette nouvelle aventure. On y est. Voilà, donc... Nous y voici, donc on a Raise Minimap. Je n'ai rien fait sur le monde, j'ai juste pré-généré pour éviter les taiga et autres sottises. Donc Minimap à plus grande grandeur, donc on est dans une grande plaine. Il y a des il y a une forêt pas loin, un marais. Plutôt l'impression que c'est un marais. Donc on va se promener tranquillement, voilà, un arbre c'est toujours utile de couper des arbres, nos créatures vivent et chaud. Donc on joue à 1.4, donc les nouvelles fleurs n'étaient pas ajoutées, ces fleurs là sont ajoutées par le mode Tropicraft. Tropicraft, voilà. Ouh. Donc faire attention, on est en hardcore. Donc je rappelle que pour le mode Timber qui casse les arbres de façon instantanée dès qu'on casse la bûche du bas, il faut déjà avoir une hache minimum en bois, il me semble. Je connais pas extrêmement bien les mods, alors vous m'excuserez d'avance. Tropicraft fait tomber les feuilles, c'est trop beau. Donc la première chose que je vais me crafter, et c'est rare dans une aventure Minecraft, c'est... what the... une hache comme ça. Faire gaffe parce qu'avec ce mode mon créature de danger est absolument partout, y compris au dessus de notre tête. Comment ça au dessus de notre tête? Qu'est ce que tu veux qu'il y ait au dessus de notre tête? Voilà, comme vous voyez ce mode est extrêmement efficace et super sympatoche. On va s'amuser un petit peu avec tous les modes qu'on a là. On va faire un petit peu du Minecraft tranquillou avec des modes, hein. Il était l'heure. Ok, je vois quand je vais devoir arrêter la vidéo. On va pouvoir dépasser un petit peu parce que... voilà, on n'est pas encore des machines. Ah ah! Si j'avais pensé à mettre Optifine avec tout ça, ce qui n'est malheureusement pas le cas, j'ai mis un peu beaucoup de temps à mettre tous ces mods.
J'aurais pu zoomer sur ce que je viens de voir. Miam, 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 miam. Faut toujours que ça me tombe dessus. Il n'y a que 3 chances sur 10 que ça arrive d'habitude. C'est pas grave, je vais me nourrir en chair de villageois. Cannibalisme! Alors, y a-t-il une forge dans ce village? Des méandres insondables et plein de microbes de l'oubli. Ceci n'est pas une forge. Bon, pardon, espèce de village mal généré, mais j'aimerais bien pouvoir passer. Ouais, donc à l'époque, il n'y avait pas de bruitage pour les villageois, c'est tout sans mieux. Parce que les bruitages des villageois, ça va bien 5 minutes, hein. Ouh. Donc, j'assens bien cette nouvelle aventure, bien qu'on soit en mode hardcore. Une forge, ouais. Y'a rien dans les fours, normal. Ouais, c'est bien ça. Du pain, ça va m'être très utile. Donc comme vous voyez, quand il y a des mobs, au niveau du patch des textures, il y a toujours des sortes de petits bugs. Voilà, donc on va s'établir un petit peu dans ce village PNJ tout en faisant l'exploration parce que on a un super mode qui nous rajoute un petit, qui nous modifie un peu nos biomes et tout. Faut aller voir ça. D'accord. Les éléphants sont bêtes. D'accord, toi tu veux carrément te suicider sur le cactus. Ok, c'est comme tu veux, hein. Moi je trouve que c'est très bête comme idée, mais bon, après moi je sais pas. C'est comme tu veux, hein, mais bon. Je trouve que c'est bête quoi. Pour un inhonorable pachyderme comme toi, d'aller se piquer sur un cactus et de mourir dans l'atroce souffrance quoi. Et on a l'impression que c'est volontaire tellement il s'acharne à rester sur le cactus. What the... Ah! Heureusement que c'est pas du ultra hardcore comme j'en ai l'habitude, parce que sinon ça aurait été opaque. D'ailleurs, je crois que c'est très à saturation. Je sais, c'est pas une expression qui me revient. Cette expression ne m'appartient pas. Et je crois pas qu'ils aient mis de copyright dessus, et Patrick. Bref, je sais que j'ai la voix un peu faible aujourd'hui, tout ça. Bah voilà, hein, on a bien le droit d'avoir la voix un peu faible de temps en temps, non? Bref, nous sommes sur une map en hardcore avec une multitude de modes. J'ai entendu un bruit très rassurant. D'accord, j'ai récolté moins de pastèques que ce qu'il y avait à l'origine. Ou bien alors pile poil le bon. Ou bien alors pile poil le nombre. T'es sérieux, hein? What? Ah non. Bonjour toi. Ah, faudra conserver celui-là. Il promet des choses bien. On va se faire une petite maison parce que, mine de rien, le jour va tomber un jour. Le jour va tomber un jour. Donc là, pas espérer se servir de timber parce que ces arbres ont été ajoutés avec le mod. Et en plus, les planches sont vraiment moches. Donc on va pas s'en servir de ça. De ces arbres-là. Oh mon dieu, un serpent! Je croyais qu'il était hostile en fait. Il m'a empoisonné les lampes. Ouh, c'est stressant. Bon là j'y vais complètement Yo Swag même si je n'ai qu'une seule vie. Parce que j'ai plus l'habitude du ultra hardcore où notre vie ne remonte pas. Donc voilà, j'y vais à YOLO. Hein. Puis de toute manière, j'en ai rien à fiche. Je sais pas si j'ai visité cette forge. Non, on peut pas y avoir 36 000 forges. J'ai déjà la chance qu'il y en ait une. Oh, un loup-garou. Vous savez quoi? Je tue pour la simple et bonne raison que la nuit, ça vient des monstres extrêmement dangereux et absolument impossible à contrôler. Donc je prends un peu de bois de jungle et on va se construire une maison. Ah, du bois de jungle. Ça va être très bien ça. On va pouvoir avoir des quantités de bois à peu près phénoménales en 5 secondes et demie. Oh! C'est très la pluie, item. Les particules ajoutées avec le mode. C'est très le stack de Jungle Wood.
Génial le mode Timber. Après, c'est un mode considéré littéralement de cheat. Je vous en... Non, mais je veux dire... voilà quoi, on peut bien se permettre de temps en temps. Après, voilà quoi. Il n'y a pas des robots non plus, hein. On a bien le droit de se simplifier un petit peu le gameplay de temps en temps. Rien n'interdit. Voilà, c'était la déclaration de CLB. Hop, coup de frise gênant. What the... Ah, quand même. Merci. C'est gentil, je vais tout stop de bois. Ah, pomme. Bien. Petit peu de nourriture. Toujours été. Donc, je vais m'établir sur cette plage. En vitesse parce que la nuit tombe. Vite, vite. Si je reste tout seul la nuit comme ça, bah je suis considéré comme mort. Hein. Que la chose soit claire, je me suis gouré. Vive Timber. Bah, Timber a fait... Timber vit et vivra toujours. Hein. Timber n'a pas fait son temps encore. Censure, censure, censure. Ça va pas ça. Vite, va falloir censurer tout ça rapidement. Vite. Censure. Ah, je dis tout le temps censure, je sais. C'est pour ne pas dire de vulgarité. Parce que je ne suis pas quelqu'un de particulièrement vulgaire. Pas plus que ça. Note. Il est toujours très utile de mettre une porte. Donc on est en 1.4, donc les nouveaux raccourcis de la 1.5 n'étaient pas ajoutés. Merde. Ah bah quand je dis que je suis quelqu'un de pas vulgaire, 3 secondes plus tard. Merde. Vite. Ouf. Voilà. Donc ça, c'est réglé. Donc on va aller chercher de la cobble. Voilà. Donc. Hop. Je suis pété de bois. Voilà quoi. On va chercher un petit peu de cobble. Bon. Une seule suffira. De pioche en bois. Après, je me crafterai aussitôt une pioche en pierre. Voilà donc. Éviter les encombres stuff. Comme ceci. Sinon, je vais faire un truc YOLO. Je sais que c'est désagréable. Et voilà. Les anciens raccourcis ont donc question de compatibilité entre les modes. On est en version 1.4. Pretty scary update. Première mise à jour que j'ai vue de Minecraft en fait, parce que j'ai commencé Minecraft en version 1.3.2. Celle qui rajoute les underchats, là, vous savez, mais si. Vive les échelles, ça se passe vraiment n'importe comment. Je vais prendre un petit peu de cobble. Vive les échelles. Donc souvent je fais comme ça au début de ma mine, de manière à ne pas avoir à faire des trucs chelous. Hop, et je vais faire un petit escalier. Easy peasy. En faisant bien attention aux monstres. Donc ça fait pas extrêmement longtemps qu'on tourne ensemble. Voilà, donc c'est une série en plusieurs épisodes. Donc quand j'aurai posté celui-ci plus le deuxième, vous pourrez aller voir la suite. Toujours bon pour la santé. Hop, achievement get. Parfait. Ouh, je vais pouvoir faire cuire un petit peu de boa avec du boa. Vu que de toute manière, j'ai assez de boa pour faire cuire du boa avec du boa. Bon. Vous saviez quand je vous disais mais si mon créature c'est un mode super paisible et tout, je vous ai jamais dit ça. Ouais non mais voilà, vous voyez là c'est pas un loup-garou si redouté que j'ai tué tout à l'heure qui se transforme la nuit en monstre des ténèbres. Ça c'est juste un loup simple. Donc on va yolo swag un peu. De toute manière il peut même pas rentrer. Mais il faut faire gaffe quand même, leur hitbox
assez importante. Voilà comment comment être en danger avec CB. Car on est en mode hardcore. Si tu meurs, tu respawns pas. C'est clair? Il y a intérêt. Bon, moi, de toute manière, je suis pas un fou furieux. Et je dis merci au village PNJ. Franchement. Je commence à être pété de stuff inutile, là, déjà. Voilà, ce serait la nuit. Hop, la mini-map à fond. Allez, je vais commencer à miner, parce que la nuit est faite pour ça. Et ouais, ça vous embouche un coin, hein. Vous le saviez pas, hein. Vous avez appris quelque chose, hein. Donc, pas de F3 encombrant pour les coordonnées. Grâce à Rayminimap. C'est génial, ce petit mode, là. Bon, donc, les modes, je les collectionne sur cette série, qui est vraiment faite, donc, Hard Mode, pour ceux qui s'en souviendraient déjà plus. Une série vraiment pour faire du fun avec des mods tant qu'on a encore nos 10 cœurs. Donc n'hésite pas à me proposer bien sûr en commentaire comment améliorer la série. Déjà je sais que je suis un peu mollasson sur cet épisode, j'espère que ce sera moins sûr et suivant. Ouh là là, je sais pas, il y a quelque chose que je sens un petit peu moins bien que d'habitude dans ces vidéos. Donc j'essaierai de m'améliorer au deuxième épisode. De toute manière, il faut bien commencer. Si vous aimez la série, précisez-moi. Et n'hésitez pas à me donner des noms de mods. Il faut que les mods soient compatibles avec Forge et en 1.4.6. Si vous voulez de nouveaux mods à ajouter à la série. Notez bien que si Minecraft crash, je n'utiliserai pas vos mods, mais bon, ça vous pouvez comprendre, on ne peut pas jouer avec un jeu qui ne fonctionne pas. Donc, comme vous voyez, ma touche pour m'accroupir est la même que celle pour régler la minimap, donc forcément... YOLO. Ça donne des trucs aussi étranges que ça, donc là, actuellement, je suis sous l'océan. J'arrête pas de me mettre en sneak. Sans aucune raison particulière, vous voyez. On n'est pas dans un Hunger Games, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On est déjà à couche 30. Sans blague, ça passe vite. Et F3, juste pour vous faire chier. Je plaisante. Bon, c'est génial les mines, hein. Bon, moi, me faire une petite aventure Minecraft avec un gameplay de base, avec 15 mods, je sais, mais bon, c'est pas grave. 15 mods, en comptant les lapis qui ne servent à rien et tout. Flint! Steel! Flint! Steel! Steel, c'est acier, donc... Flint! Steel! Flint! Steel! Jungle, là-haut? Je sens qu'on va pouvoir s'amuser d'ici peu. Gravier de... Pas de vulgarité dans les vidéos, s'il vous plaît, CLB. Ne nous faites pas subir. Vous aviez dit que vous n'étiez pas vulgaire en début de vidéo, alors respectez vos engagements, s'il vous plaît. Voilà, c'est dit. C'était la déclaration de... Aha. Enfin, des choses intéressantes. Donc si je joue avec le pack de base et pas mon pack de texture habituel, c'est peut-être ça d'ailleurs qui fait que la vidéo semble un peu moins bien que ce dont moi j'ai l'habitude. Il y a ce pack de texture là qui est vraiment... Heureux, je couperai au montage. Téléphone de... Je vois pas pourquoi je remonte en fait. Pour faire cuire ça peut-être. Pour me grappler une nouvelle pioche et faire cuire ça, voilà. C'est ça, exactement. Mais oui. Je vais me faire un coffre pour ranger mes saletés là, et j'ai utilisé ce bois qui est absolument horrible et c'est pas un pack de texture qu'il fait, le yin et le yang, bien entendu ça ne marche pas. What the... Bah, c'est normal.
I am very stupid. Mais on savait déjà, CLB. Retenez-moi de ne pas faire un malheur. Cet abonné qui a dit ça, je sais pas ce que j'y fais. Cochonnerie, 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 cochonnerie. Voilà. Youp. Alors. Voilà, je crois que j'ai plus de cochonnerie sur moi. Après. Réorganiser mon inventaire. J'avais mis un inventaire Twix, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas passé. Ouais, non. Dégage toi. Toi aussi. Bon, finalement, il me reste un petit peu de merde encore. Hop. Youhou. Charcoal. Donc, ancienne texture à l'époque. Hein. Pourquoi j'étais remonté déjà? Pour me recrafter une pioche. Hop. On va faire ça immédiatement. Habitude des nouveaux crafts depuis 1.5. Je suis 1.4, c'est vraiment dommage. Hop, je continue à stone pickaxe. Pas de touche de sprint non plus. Lourd. Ah, boum, 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 boum. Ouh, 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 ouh. Aïe, aïe. Je me cogne tous les plafonds. J'ai plus grande notion du temps et de l'espace. What the... What, what? What, 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 what? J'ai l'impression que le soleil s'est levé. Bon, on va aller dehors. Dans ce cas-là. C'est sûr que passage à accélérer, c'est plus pratique pour vous, cher viewer. Cher viewer. Youhou! C'est le jour! On va s'amuser. Donc, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On va exploiter un petit peu nos cultures qui sont juste à côté. Donc, hein. Quoi de neuf, docteur? On va aller... Aïe. Mourir de dégâts, ça je me le pardonnerai jamais. Sauf si c'est un ogre qui m'a propulsé. Ces animaux passifs, ils sont gentils. J'essaie de dormir le moins de fois possible. Ok, donc toi, on va enlever les fours de là. On est des bêtes, on a recrafté des fours. Enfin, je suis bête, c'est pas vous les viewers. Donc on a deux furnaces ici, un coffre là. Comme quoi, crafter, c'est pas si malin. Ah puis trognon. Trognon. Comment je fais pour sortir? Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on va faire un peu d'exploration. Je vais mettre un waypoint sur ma maison. Bonjour. Bon, et bah en créant le waypoint maison, je me suis gouré, j'ai stoppé la capture. Youpi! Désolé pour le bruit. Et donc voilà, du coup, on se retrouve ici. Bon, tant pis, je vais pas tout laisser à pousser, je vais laisser que ça. Faut que j'emmène de la nourriture avec moi impérativement. Donc, on va partir. Waypoint est juste là. Désolé pour cette petite erreur d'ellipse. Autant avoir la touche 3 comme touche... C'est un Underman. Il m'a fait peur. Hein. Bon, j'ai pas de mode particulièrement flippant plus que ça. Juste les Weeping Angels, mais bon, voilà quoi. Ange pleureur. Ça me fait pas si peur que ça. Et j'ai de quoi les tuer de toute manière. Par contre, pour ce qui est des loups-garous, faudrait que je trouve rapidement la haine. Parce que si je pars en exploration et que la nuit me tombe sur la tête... Ah, drôle. C'est bientôt la nuit.
Bah, j'aurais l'air sacrément malin. Bon, vous... Ah! D'accord! Je croyais que les requins s'attaquaient pas naturellement à... Piranha! Piranha, on se calme. Vite, au secours! Oh mon dieu, j'ai peur. T'as l'air de me faire très mal, toi. Ah, voilà. Écaille. Okay. Dans le... Dans le requin. C'est très bug de lumière. J'adore ces bugs de lumière des anciennes versions. C'est tellement fun. Yolo soit Donc on va faire de l'explo et de la ration. On va faire des rations d'explo. De l'exploration, quoi. Merci, tu me poses au rivage, espèce de petit poisson clown. Là. Allez, on y va. Donc je sais, c'est pas des poissons clowns, mais des piranhas, c'est pas comme ça pour le lol. Bonjour. T'es un varan komodo, toi. Tu vas me donner du reptile. Il me frappe alors que... Donc je fasse très gaffe, moi j'y vais un petit peu YOLO. Mais je me rappelle que je suis en hardcore. C'est mauvais signe ça. Vite, retour vers la maison. Et quand je serai dans l'eau, les piranhas seront là pour m'infliger un recul qui va me ramener vers la maison. Vite! Je passe au travers des éléphants. J'avais oublié le nom des éléphants, faudrait que je me documente un peu. Et je cours sans en but. Ah si, c'est vrai, survivre à lui. Et mince, il y a déjà un scorpion. Bah quoi que les scorpions, ils sont déjà le jour. Je crois que les scorpions sont pas trop hostiles tant qu'on les cherche pas. Ça commence à pop. Je me fais attaquer par derrière, je ne sais pas par quoi, mais je m'en fiche. Il y a des rats sur le chemin, je leur saute au-dessus. Aucun respect. Censure de censure. Vite! Ouh! Ah, la porte à Discord. Donc... What the... Vous voyez, les packs de textures, c'est très les bugs. Hein. Bon, voilà, j'ai du poisson, j'ai... Croc Hide. Voilà, donc c'est nuit, youpi. Je crois que je vais vous laisser ici le temps que... What the... De toute manière, je crois bien que c'est l'heure de la fin de l'épisode. Je vais vérifier tout de suite. Par la magie, j'ai vu qu'en effet, j'ai un petit peu dépassé en fait l'épisode dure une demi-heure. Je vais donc immédiatement m'arrêter avant que la vidéo ne soit trop lourde pour être uploadée. Et je vous remercie du visionnage et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Hardcore. L'émission Hardcore avec des mods. Tintin, jingle de merde. A plus!